On se retrouve aujourd'hui pour un vlog 24 heures dans ma vie. J'espère que celui-ci vous plaira parce que le dernier où je vous ai un petit peu montré l'unboxing de mes livres, tout ça, c'était pas le vlog que vous avez préféré. Pour ces deux jours, je vous emmène en ce mercredi avec moi dans ma petite vie de maman. Maman qui prépare des petites choses à la maison. Et demain, un petit peu plus dans ma classe. J'ai monté les escaliers, je suis déjà essoufflée. Non mais je vous jure. Et du coup, j'ai reçu ce matin beaucoup de colis. Alors j'ai pas ouvert ce vlog pour ça parce que je vais pas tout vous montrer ici évidemment. Il y a des colis Sephora de mes craquages. Sephora Gold, vraiment, je sais pas vous mais moi j'ai totalement craqué. C'est le mois de mon anniversaire, je me suis fait un petit kiff. Donc je vais aller filmer une vidéo spéciale Sephora Gold avec tous mes achats. Je vais aussi vous montrer la Dégustabox du mois, parce que je l'ai reçue tardivement, ce mois d'octobre, je trouve. Parce que là, on est le 11 octobre, et bah d'habitude, je la reçois vraiment début octobre. Donc, on va découvrir la Dégustabox du mois. Et puis sinon, bah après, je vous embarque un petit peu dans ma petite vie. Le programme d'aujourd'hui, aller chercher mon fils chez belle-maman. Parce que bah, elle l'a gardé hier soir pour qu'il passe un petit peu de temps avec elle. L'emmener au basket, donc ça c'est mon deuxième. Mon dernier, Kezia, lui il est invité à un anniversaire. Hier il était vraiment patraque, dans un état un peu bizarre d'ailleurs, vraiment particulier, migraineux, alors que c'est pas trop le genre d'un enfant. Mais on a été chez le médecin hier et finalement bah, ça va mieux, donc croisons les doigts. Là il est en forme hein, ce matin. Donc, je vais l'emmener à cet anniversaire qu'il attend avec impatience. C'est son premier anniversaire dans sa nouvelle école, donc je suis trop contente qu'il ait été invité, parce que bah, il connaît pas encore tous les enfants. Et sinon, demain, programme retour à l'école, ça va être un petit programme sympa. D'ailleurs, j'attends un super colis en collaboration avec EcoNotebook pour proposer des cahiers pour mes élèves et mes enfants, mais surtout mes élèves. En fait, c'est une collaboration qu'on a décidé de faire avec EcoNotebook pour travailler sur des cahiers réutilisables qui s'effacent à vie, hein, vraiment des cahiers très pratiques dans le quotidien de la classe, qui évitent les fameux cahiers de brouillon, qui donnent cet accès plus facile à l'erreur, puisque quand on se trompe, on n'a pas besoin de barrer, on a juste à effacer. Donc, il y a vraiment ce côté-là où les pages, bah, dès qu'on a fini la journée et que voilà, on s'est juste entraîné, on peut effacer et recommencer. Donc je suis trop contente, j'ai hâte de découvrir le colis de demain. Donc pareil, je vous embarquerai avec moi pour découvrir ces fameux cahiers et vous parler un petit peu de l'installation dans ma classe, comment je vais les utiliser dans ma classe dispositif UIS. Bref, sur ce, je vais aller filmer ma vidéo Sephora pendant que mon fils est avec mon mari et je reviens sûrement tout à l'heure. Bon, je viens de cleaner la cuisine. Je vais pouvoir maintenant ouvrir ma fameuse Dégustabox du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a toujours l'offre promotionnelle pour le fameux calendrier de l'Avent. Et moi, je vais le recevoir aussi bientôt, donc je suis trop contente. Et le thème du mois, c'est soirée canapé. Coucouning, du coup. Waouh, c'est trop bien ça. Kezia, il est en train de me ramener mon gros colis. On va l'ouvrir après celui-ci, d'accord? On a pas mal de snacks à l'intérieur. Donc, du snack crème oignon, comme ça. World crème oignon, c'est pas mal. Il y en a deux paquets, donc c'est plutôt généreux. Alors, c'est des petits paquets, hein, mais c'est plutôt pas mal. Des sortes de petits morceaux de pain, quoi. Entre le pain grillé et la chips, quoi. C'est intéressant. On a de la viande comme ça de Serrano, c'est du jambon du coup en snacking, donc ça je vais donner à ma copine Sarah. On dirait qu'il n'y a rien à l'intérieur, je vous jure, c'est tout vide on dirait. Tu vois, c'est tout. Ouh, bizarre. Kezia il a trouvé quoi? Des gâteaux, des petits écoliers, ça a l'air bon hein. Avec un petit cœur coulant à l'intérieur de lait. Tu vas en goûter un tout à l'heure? Oui, du lait à l'intérieur d'Ali. Il y a du lait à l'intérieur, ouais. Oui. Ensuite on a quoi? Oula, des petites compotes, c'est ça? Ah ouais, trop bien, des petites compotes avec des céréales à l'intérieur. Attends, Kezia. Ah, oui. Et c'est de la marque Pomme Poire Croque, la marque Valade. Je connais pas du tout, mais ça, j'aime bien le concept. Le fait que ce soit deux en un comme ça, moi, pour l'école et tout, c'est très bien. Donc, ça va me servir pour moi ou pour mes enfants, mais je pense que je vais les garder pour manger à l'école. Oh, ça, je suis trop contente. Ça, c'est trop bon. Côte d'Or, comme ça. Noisette, caramel, riz croustillant. Oh mon dieu, ça va être goûté dès tout à l'heure. Alors montre à la caméra. On a des amandes, un petit paquet d'amandes, c'est pareil pour emmener à l'école, c'est très pratique.
Un jus de coco. Un jus de coco, oui, c'est du lait de coco, t'es trop fort. Elle est de la marque Real Thai. Donc ça, on aime bien en utiliser dans les plats de papa. Hein. Regarde. Miam, miam. C'est trop bon. Alors, effectivement, c'est de la sauce au bleu Benedicta. On a déjà eu des sauces dernièrement, donc ça fait un peu trop, je trouve. Après, c'est un petit format. Je vais peut-être le proposer à Sarah parce que moi, j'en ai déjà un pot tout neuf. On a une petite sauce là. Ça, ça a l'air pas mal. Ah ouais, une sauce pesto. Donc, une sauce pesto rosso, donc pesto rouge. Ça, c'est top. On valide aussi. Bah écoutez, la dernière, c'est qui est là qui est en train de l'ouvrir? C'est une bouteille. Aujourd'hui, c'est un unboxing en famille. Elle est très jolie la bouteille. La bête. Bière de la bête. Caractère. Donc ça, je ne bois pas de bière, mais je l'offrirai. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'ai tout mis ici, mais je suis plutôt conquise de cette box. Elle n'est pas très épaisse. Hein, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses, mais j'aime bien les articles qu'il y a. Il n'y a que ça que je ne vais pas garder, la bière que je vais offrir. Mais le reste, il va servir dans notre quotidien, c'est sûr à 100%. Le deuxième colis, donc c'est My Muesli. C'est un calendrier de l'Avent que je vais ouvrir avec vous prochainement. Mais je vais pas l'ouvrir en vidéo, en une seule vidéo. Hein, je vous ouvrirai ça sur Instagram. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a une super offre. Donc là, il y a déjà moins 15%, mais moins 15 euros. Mais c'est pas ça l'offre. Vous pouvez commander et vous avez jusqu'à moins 40 euros sur votre commande si vous craquez pour My Muesli. Et donc, viens, on va l'ouvrir, on va le sortir. Donc il y a plusieurs choix de calendrier de l'Avent. Celui-ci, c'est. Mais Kezia. Bonjour Kezia. Ça va? Bonjour, ça va. Celui-ci, c'est un des plus chers, c'est le Deluxe, mais il y a pas mal de versions, une version T. En tout cas, je vous mets tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et allez, on l'ouvre. Enfin, on l'ouvre. On va essayer de le sortir. Mais attention à ne pas l'abîmer. Hein. Voici le rendu du calendrier. Regardez comme il est énorme. Donc, c'est un gros cube. Regardez comment ils sont. Ah ouais, on peut ouvrir. Tu veux ouvrir le 13 pour voir? Allez, on en ouvre une case pour voir ce que ça donne, mais une seule case. Waouh, bah on est tombé sur une super case. Oh my gosh, oh, trop contente. C'est une... On peut voir celle-là d'en bas. Chut, ouais, mais regarde pas tout. Wow. C'est une bouteille pour le thé, mais c'est trop magnifique. Tiens, qui est là? On va juste ouvrir la bouteille pour voir parce que maintenant que Kezia, il est tombé sur la meilleure case direct. Ah, voyez, oh là là, c'est une bouteille pour le thé isotherme. Elle est magnifique comme ça, vraiment en aluminium pour bien conserver votre thé au chaud ou au froid. C'est canon, ça c'est un très très beau cadeau. Donc voilà, c'est la 13e case. Et la 24, c'est la meilleure maman. Oui, mais là c'est déjà un très beau cadeau. C'est trop beau. Alors on va ouvrir une autre case. Attends, ah là, la numéro 1. Là. Oui, vas-y. Attends, on va ouvrir la numéro 1 pour tester le numéro 1. Ouais. Et... Oh my god. C'est un My Muesli. Ah! C'est un Muesli. Attends, je montre Kezia. Un Muesli, donc My Muesli, pomme, cannelle, cinnamon, chercher, amande. Donc, ça, c'est des petits pots comme ça que vous pouvez utiliser à usage unique. Vous mettez votre lait dedans et c'est parti. Ça permet de tester pas mal de Muesli. Donc, ça, c'est plutôt un premier cadeau sympa. Alors, Kezia, il va absolument en ouvrir un dernier. Donc, pour faire plaisir à Kezia, on est parti. Le numéro 7, attention. Et là aussi, c'est un Muesli version... Rien d'aîné. Non, pas version... Attends, laisse-le dedans. C'est une version 16 OSC1. C'est une version spéciale, édition spéciale de chez My Muesli. Puisqu'il reverse une partie des bénéfices pour sauver les océans et éviter les déchets dans les océans. Donc, pas mal du tout. Ah, allez, t'as réussi à l'enlever, fais voir. Donc, il ressemble à ça, celui-ci. Hein. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air bien bon. Voilà, il y a des enfants qui ont déjoué, mais ils préfèrent s'enfermer dans les colis.
fin de journée, journée waouh, intensive. J'ai ramené pas mal de choses de chez moi parce que finalement j'avais préparé pas mal de choses que je voulais ramener, des petits jeux en autonomie, des petits jeux aussi à faire avec en mathématiques, en français, etc. Nous sommes le soir, je suis soir, j'ai monté mes deux étages, ça m'a tué. J'ai reçu un colis spécial, je vous avais dit que j'allais être ambassadrice de la marque EconaBook et j'ai reçu le colis, je suis trop contente et bien mes enfants ils sont encore plus contents que moi. Voici le rendu, c'est super bien emballé. Alors il y en a pour mes enfants et pour toute ma classe. Waouh. J'enlève tous les petits stylos, là il y en a vraiment pas mal et regardez-moi ça, il y a les petits carnets qui sont là. Donc il y en a pour mes enfants comme je l'ai dit, pour ma classe, là qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ah, toutes les chiffonnettes et les porte-stylos qui sont là à coller à la fin du carnet. Je pense qu'il y a aussi les petits tubes pour mettre de l'eau et pour pouvoir effacer. J'ai tout ouvert. Ici, j'ai remarqué qu'on avait une réserve pour mettre dans les stylos, vous savez, les fameuses recharges comme ça. Donc, de toutes les couleurs, c'est trop bien. Ça va être génial. On a le tas qui est pour ma classe. Donc, ça, c'est pour mes élèves. Ça, c'est un petit carnet de post-it réutilisable aussi, qui va être très pratique dans ma classe parce que j'ai tendance à oublier pas mal de choses, à me faire des to-do list. Donc, ça va être très bien. C'est tout nouveau sur la boutique EconaBook. Si vous ne connaissez pas, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et pour ma classe, EconaBook a été top vu que je suis ambassadrice. Ils m'ont proposé de choisir un peu l'intérieur, les personnaliser. Et du coup, j'ai demandé en fait quelques pages de chaque. Un quart de page blanche, un quart de page à carreaux, à petits carreaux comme ça. Un quart de page traditionnelle de cahier, vous voyez, avec les lignes CIS. Et un quart de page avec les lignes, tout simplement. Donc, ça va être juste génial pour le quotidien de la classe. Ils sont vraiment topissimes au niveau qualité. Et comme je vous ai dit, on écrit dessus, on efface, on recommence. Et donc, pour le statut de l'erreur, pour des enfants en dispositif Ulysse, ça me paraît vraiment très sympa. Comme ça, il n'y a pas besoin de se dire « Mon Dieu, je peux pas... » Souvent, ils aiment pas barrer, ils aiment bien effacer. Là, ils pourront directement effacer. Et ça, c'est très pratique. Et puis, au bout d'une semaine, on efface tout. Et la semaine d'après, on recommence, on s'entraîne. Ça va être vraiment trop bien dans ma classe. Pour mes enfants, EconaBook m'en a envoyé donc 4. Il y en a 3 pour mes enfants et il y en a 1 pour une personne spéciale à mon cœur, c'est pour Maluna. Donc ça, c'est pour ma fille Kayla. Donc elle a choisi. Donc ils ont pu choisir vraiment ce qu'ils voulaient. Donc on a choisi des lignes traditionnelles. Pour mon loulou qui est Oran, qui est juste là. Alors, qu'est-ce que tu as choisi toi, Oran? Vas-y. Le bleu foncé, parce qu'il voulait blanc, mais il n'y en avait plus en stock. Et à l'intérieur, pareil, avec les lignes traditionnelles du cahier. Comme ça, tu pourras écrire tes mots que tu sais écrire maintenant, vu que tu commences à savoir lire. D'accord? Et Kezia. Ils sont tous les stylos pour nous tous. Ah bah non, il y en a pour ma classe. Donc toi, tu vas pouvoir choisir un ou deux stylos que tu veux. Pour Kezia. 3 comme Kezia. Oui, on verra. Pour Kezia, on a choisi cette couleur-là. Et alors lui, je lui ai choisi sans ligne, parce que je me suis dit qu'il allait dessiner. Mais en fait, c'est vrai que maintenant, il a envie d'écrire son prénom. Et du coup, bon. Écoutez, c'est pas grave, je ferai des lignes moi-même. Mais je pensais qu'il allait plus dessiner qu'écrire son prénom. J'ai pas pensé à son prénom, donc c'est pas grave. On a pris une version donc sans lignes. Et pour ma chère Luna, on a pris aussi la version traditionnelle, comme ça, avec les fameuses pages normales CIS. Donc c'est juste top. Donc ça, c'est pour ma Luna. Donc voilà, t'es content, Nanou ? Oui. Ah oui ? Alors tu vas pouvoir le prendre. Donc tu veux quel stylo ? Vas-y, choisis tes petits stylos. Un rouge. Un rouge pour monsieur. Un bleu. En fait, tu veux toutes les couleurs, c'est ça? Et un. Donc, il faut que je compte d'abord. Je vais regarder un petit peu pour voir si j'en ai assez pour tout le monde. Et je vais compter ça. Et puis, on va partager avec ma classe et mes enfants. OK? On va te les coller. Hop, on décolle ça. On va le mettre, alors, à peu près, pour que ça soit là. Voilà. Tu vois, comme ça, quand tu fermes ton cahier, là, il y a ça. Et il y a la place pour mettre ton petit stylo. Comme ça, tu ne le perds jamais. D'accord? Ok. Hop, tu nous montres comment tu écris ton prénom, là? Ok, c'est ça. Trop bien! T'aimes bien écrire? Tu peux écrire en dessous que tu es en CP. Un C et un P, en majuscule.
C majuscule, P majuscule. Ah non, ça c'est pas un C. Non, A, B, C. Ça c'est S. Toi c'est un C, A, B, C. Comment t'écris le C de A, B, C? Ah voilà, fais-le à côté, on l'effacera après le S. Voilà, un C et après un P comme papa. Voilà, c'est P. Donc là, comme tu t'es trompé, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer. On va effacer. Alors, je pense qu'on peut effacer avec la gomme qui est juste là. Et si. Après, des fois, ça fait un peu cracra. Pousse ta tête. Ça fait un peu cracra. On va mettre de l'eau dans notre petit pchit et on efface. Non, mais il n'y en a pas là, mon doudou. Hop. Et là, voilà, avec un peu d'eau, ça s'efface. Et voilà, tout est nickel. C'est au tour de Kayla. Alors, t'es contente, mademoiselle? Oui, très contente. Alors, c'est la couleur que tu voulais? Oui. Alors, vas-y, t'es prête? Tu l'ouvres, tu écris ton prénom? Alors, t'aimes bien écrire avec ce stylo? Oui. Alors, dis-moi, Kayla, tu vas choisir comme orange, tu as le droit à deux couleurs, parce que du coup, j'ai fait le compte un peu, elle a le droit à deux couleurs. Donc, le noir, forcément, et soit le bleu, soit le rouge, soit le vert. Une petite lingette, un petit pchit-pchit. Est-ce que tu veux mettre ce petit truc-là pour accrocher ton stylo sur le côté? Oui. Tu le veux, ok. Et quelle couleur après, deuxième couleur? Je sais pas, moi. Là, c'est toi qui vois. Autour de monsieur! Kezia! Alors, t'es content? Oui! Alors, est-ce que tu veux bien nous écrire ton prénom? Oui! T'as vu, toi, c'est que des feuilles blanches. Tu vas pouvoir faire même des dinosaures, des dessins. Waouh, parfait ton cas! Hein. Parfait ça, Kezia, magnifique, c'est trop beau. T'es content? Est-ce que tu veux le petit crochet pour mettre ton stylo sur le côté comme Kayla là, comme ça? Là, tu veux le même truc? Ok, d'accord, je vais te le mettre. Alors avec ce superbe cadrage, je vais regarder les post-it, regarder à quoi ça ressemble. Donc, il y a vraiment écrit Eco Notebook. Derrière, vous pouvez enlever, j'ai l'impression, une petite pellicule qui fait que ça va devenir autocollant si vous voulez le coller du coup sur votre bureau ou sur un carnet. Et vous en avez quand même un petit paquet dedans. Il y a des roses, des jaunes, des bleus, donc c'est plutôt cool. On va tester pour voir. Déjà, je vais écrire. Donc, je prends mon fameux stylo Eco Notebook, donc les stylos qui sont effaçables avec de l'eau là. Hop, j'enlève la petite pastille au bout parce que quand ils sont neufs, il y a une petite pastille. Et qu'est-ce que je pourrais mettre à ne pas oublier? Voilà, j'ai écrit merci Econote BK, donc Econotebook. Donc avec mon stylo, ça marche très bien. Et alors après, je crois que j'ai juste enlevé une des deux pellicules, mais alors qu'il y a vraiment une pellicule comme ça à enlever et après vous le collez où vous voulez. Je pense que c'est ça, hein. Ah, c'est pas mal dans l'idée. Et vous redécollez, je pense que vous remettez la pellicule et ça fonctionne. Et évidemment, ce qui est bien, c'est que vous pouvez effacer, comme tout à l'heure, avec votre petite lingette, le pchit d'eau, vous effacez et vous recommencez. C'est vraiment pas mal. Même si vous voulez juste mettre sur le frigo, par exemple, pour mettre des petits post-it à votre mari ou des choses comme ça, des choses à penser, ça va être super pratique. Donc il y a des roses, des blancs, des jaunes et des bleus à l'intérieur. Bleu un petit peu vert. Donc c'est trop bien, merci! Ah, ça, je suis trop contente. Je vais les mettre dans ma petite routine, mais ça va être trop, trop bien. Je vous reprends sous un angle un petit peu mieux, même si j'ai une tête de pas fraîche. Je vais les emmener demain à l'école. Je vous en reparlerai dans les prochains jours sur Instagram ou sur YouTube pour vous faire un petit retour sur l'utilisation en classe, si ça en vaut la peine. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant de l'utiliser en classe puisque... Je disais donc, avant d'être coupée, que je trouvais ça très très intéressant de l'utiliser en classe, surtout si vous avez une classe flexible ou que vous voulez l'utiliser d'année en année avec vos élèves. Si, logiquement, c'est bien utilisé et que c'est bien conservé, vous pourrez du coup les réutiliser d'année en année. Fini les cahiers de brouillon, vous savez, ces cahiers où vous faites tous vos exercices dessus, mais qu'après ils finissent où?
à la poubelle. Là, vous pouvez faire des exercices dessus pendant une période, par exemple. Après, vous effacez tout et ça s'efface. Donc, avec le pchit et de l'eau, et vous pouvez, si vous avez des grandes surfaces à effacer ou plusieurs pages à effacer, utiliser le sèche-cheveux. Et avec la chaleur, en fait, ça efface tout l'effet du stylo et vos pages, elles redeviennent comme neuves. Donc sachez-le, c'est vraiment intéressant, je trouve, dans l'idée, et c'est un investissement que vous faites du coup sur l'année. J'ai toujours un code promo si vous voulez déjà craquer pour vous et tester. J'ai toujours mon code promo qui est, je ne sais plus, mais je vous le mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a moins 20% du coup sur toute la boutique si vous voulez craquer pour vous. Sachez que nous, mes copines et moi, on a toutes un carnet EcoNotebook. Mon mari, je lui en ai acheté un pour la fête des pères, je crois. Il y a souvent des offres d'ailleurs, ils font des designs très sympas. Tous ces designs-là, un petit peu comme ça, bicolores, c'est la collection Gourmandise qui est vraiment canon. Après, vous avez d'autres collections qui sont très sympas aussi. Je vous invite à aller découvrir ça sur le site. Mais vraiment, je vous rappelle, je ne suis pas du tout payée pour vous en parler. Je suis devenue juste ambassadrice parce que avec la marque, on est en collaboration depuis quelques temps. Je vous en avais fait gagner d'ailleurs pas mal sur Insta avec Laetitia dans les baskets de la maîtresse. Et du coup, ils m'ont proposé d'utiliser en classe pour voir si ça avait un intérêt sur le temps. Je devais l'utiliser à la base quand on en avait parlé. Moi, j'avais pensé à ma classe de CM2, mais comme j'ai changé de classe entre-temps, ils ont été partants pour l'utiliser dans la classe dispositif Ulysse et j'ai trouvé ça trop sympa qu'ils s'associent avec moi dans une classe qui est différente des classes ordinaires puisque moi, c'est pas vraiment ma classe. Mes élèves sont inclus dans d'autres classes et du coup, ils travaillent quand même avec moi. On travaille la lecture, on travaille l'écriture, on travaille les calculs, etc. par petits groupes. Donc, je me suis dit que ce carnet avait quand même toute sa place. Bref, je vous bassine pas plus que ça sur ce super projet qu'on a ensemble. Je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant d'utiliser ce genre de carnet pour l'école, justement, pour éviter ces achats de cahiers qui vont finir à la poubelle. Et après, c'est un gros investissement financier, mais qui se fait sur le long terme, qui peut durer vraiment plusieurs années. Sur ce, je pense que je vais vous emmener dans ma routine du soir pour clôturer ce vlog.